The future is not just happening. It is a basically biological chip that it is in the tablet. And once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Imagine the applications of that, compliance, the insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? The future is built by us, by a powerful community. You here in this room. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? Individual carbon footprint tracker. Ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui! Oui! Oui. Comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite. D'une société où personne ne peut se cacher. Tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. N'ayons pas peur. 2022 will be a critical year in the history of the world. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous n'aurez rien. Et vous serez heureux. Et you will eat the bugs. Voilà ce que le grand maître nous préconise. Depuis un moment, vous êtes nombreux à me questionner sur l'identité de ce chauve, qui ressemble à un mélange de François Hollande et une malédiction tout droit venue des mains de Gul'dan. Je vous présente Klaus Schwab. Après cette vidéo, vous comprendrez les réels enjeux de ce monde, et d'autant plus l'importance de miser sur votre personne. Au lieu de me spammer avec vos législatives là, maintenant. Mettez votre ceinture et préparez-vous à rentrer dans l'antre du démon. Faisons d'abord un petit portrait de Palpatine. Klaus Schwab est un ingénieur et économiste allemand né à Ravensburg. C'est une grosse tête qui va jusqu'à décrocher deux doctorats, un en sciences de l'ingénieur, l'autre en sciences économiques, avec une petite maîtrise en administration publique. Moi, paraphraser Wikipédia, sérieusement, une fois ses études terminées, il commence sa carrière en tant que professeur de management industriel à l'université de Genève. Heureusement que c'était pas dans le 9-3, sinon il y aurait eu des classes entières transformées en steak humain pour la famille Rockefeller. Bref, durant cette période, Klaus tomba sur un livre qui éveille en lui l'étincelle et l'esprit du malin, le défi américain de Schreiber, ouvrage qui avertissait quant à la domination américaine sur le monde, et plus particulièrement sur l'Europe. Nourri par les présages de Schreiber, Klaus organisa en 1971 son premier meeting annuel de Davos. Portant initialement le nom d'European Management Forum, ce meeting avait pour but de suivre les idées de Schreiber, c'est-à-dire attraper ses gros porcs gros sacs d'américains par le col, et les mettre au régime avec des coups de boule de compétitivité, en créant une plateforme unique permettant aux plus gros PDG européens d'échanger des idées, des connaissances avec les membres des gouvernements, dirigeants du monde universitaire, médias et j'en passe. Le but était donc de créer des liens et une coopération active entre toutes ces hautes sphères du monde européen, que ce soit dans le public ou le privé. De cette manière, il aspirait à faciliter le développement de l'Europe grâce à un effort globalisé. Et le tout à travers son concept de stakeholder. Non, on parle pas encore des steaks de moustique, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ce concept repose sur l'idée qu'une entreprise ne devrait pas juste raisonner de manière lucrative, mais avoir une vision long terme en prenant en compte les besoins de tous ceux qui y participent de près ou de loin. Afin d'avoir une croissance économique durable et sécurisée, par exemple en étant plus éco-responsable, penser au bien-être des employés en leur accordant plus de temps de repos, en somme sacrifier les profits court terme quitte à gagner moins d'argent, mais avoir un avenir plus fructueux. Et sur le papier, ça a l'air pas mal. Enfin, sur le papier. Klaus avait non seulement compris l'importance de la communication et l'échange d'idées pour relever le défi américain, mais il savait également qu'il fallait miser sur le facteur humain pour le développement de relations pérennes. C'est donc pour ça qu'il faisait ses meetings à Davos, en Suisse, sur les montagnes magiques, telles que décrites dans le roman de Thomas Mann. Mais ce n'est pas tout, et ils le précisent eux-mêmes, le forum sert également de lieu de rencontre afin de créer des relations de business ou se faire des contacts personnels. Bah ouais, il fallait que les mecs soient détendax au max pour pouvoir parler le plus librement possible de leurs projets concernant le business de l'Europe. C'est le même principe que quand tu vas faire caca avant d'aller voir une meuf. Tu seras moins stressé. C'est ce qu'ils appellent l'esprit de Davos. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique des meetings, car ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces rassemblements qui de base étaient destinés à un public européen ont très vite connu un succès fulgurant à l'international grâce au concept du stakeholder. Mais aussi et surtout grâce aux opportunités de business qu'offraient ces rencontres à toute la clique de PDG, banquiers et hommes d'État. Quelle aubaine! C'est d'ailleurs suite à ce succès qu'en 1987, l'European Management Forum deviendra le World Economic
Economic Forum tel qu'on le connaît aujourd'hui, marquant ainsi l'évolution du forum tant dans sa portée que dans son activité principale. Donc, pour résumer, Klaus crée un meeting pour défendre l'Europe face à la domination américaine, mais celui-ci se transforme rapidement en forum de rencontres internationales pour que l'élite se réunisse sur des montagnes magiques pour décider du sort de la population. Faut pas avoir peur. Bon, ne soyons pas vilains. Après tout, l'élite mondiale s'engage à améliorer l'état du monde, non ? Laissons-leur le bénéfice du doute. Penchons-nous maintenant sur ce qu'ont produit les membres du WEF, c'est-à-dire PDG, banques et gouvernements. Beaucoup de choses qui, comme vous allez le voir, vont faire écho à tout ce qu'il se passe actuellement. Welcome to the biggest climate session at Davos, averting a climate apocalypse. We are going to start with some words from Greta Thunberg. Pour commencer, ils sont à l'origine du concept d'écologie tel que vous le vivez aujourd'hui, avec notamment dès 1973 le speech d'Aurelio Peccei sur son livre The Limit to Growth, traitant des limites de l'exploitation des ressources terrestres, la pollution ou encore l'augmentation de la population mondiale. Of the Association for the Study of World. Oh, réveille-toi enculé! Il est sûrement en train de communier avec Abaddon dans les tréfonds de l'enfer là! Et il faut savoir que l'écologie est une des priorités du World Economic Forum. Bon, après c'est difficile de garder son sérieux, quand on sait que le forum est partenaire avec 4 des plus gros pollueurs de plastique au monde, dont Coca-Cola, Pepsi, Nestlé et Unilever. Enfin, quand ils sont pas trop occupés à déverser du mercure toxique en Inde. Et me dis ça moi qui suis un protecteur de la nature et tout. How dare you! Par contre, le concept est idéal pour introduire continuellement diverses taxes et autres lois pour bien dépouiller les gueux en jouant sur les peurs, démonter les entreprises à coups de régulation et réinvestir dans le pays le plus pollueur au monde qui n'est autre que la Chine. Tout ça pour bénéficier de la production à moindre coût. Heureusement qu'ils ont monté une armée de manifestants lycéens pour sauver la planète. Manifester contre l'écologie. Comme quoi, ils aiment aussi les enfants. Ils sont également à l'origine du mouvement Gender Equality, qui a été propulsé par une étude réalisée par le forum en 2005 nommée Women's Empowerment Measuring the Global Gender Gap, qui a donné naissance à un rapport annuel mesurant l'écart entre les genres. Ah, normalement, tu vois arriver les délires d'écart salarial et de quotas qu'on nous impose aujourd'hui. Vient ensuite le concept et mouvement du No Borders, servant sa politique mondialiste. Samuel Huntington dira à ce sujet en parlant des Davosman que ces transnationalistes considèrent que ces frontières sont des obstacles qui disparaissent et voient les gouvernements nationaux comme des résidus du passé, dont la seule fonction utile est de faciliter les opérations mondiales de l'élite. Il ne faut pas avoir peur. En clair, il y a une volonté de détruire le principe de nation, ce qui fait écho aux problèmes sociétaux de nos jours. Moins il y a de gouvernements indépendants, plus le contrôle est centralisé. Moins il y a de nationalisme, plus les gens sont déracinés sans repère. On continue avec le concept d'inclusivité qui résulte directement du mouvement No Borders. On ne peut pas parler de mondialisation sans inclure tout le monde, d'où la promotion acharnée de la mixité, du brassage ethnique qu'on voit aujourd'hui. Frère, mais pas beau frère. Que ce soit le mouvement LGBTQXYZ, ainsi que des différents quotas respectés dans les entreprises. Et pour s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement de ce plan, ils ont créé le score ESG, une sorte de crédit social, mais pour les entreprises. En gros, c'est un outil qui t'oblige à respecter leur agenda, donc si tu veux choper des subventions et attirer des investisseurs, il va falloir que tu te plies aux critères inclusifs. Donc quotas de diversité en fonction du genre, de la couleur de peau, et plein d'autres qui viennent s'ajouter comme l'écologie et les émissions de CO2. Et si tu veux augmenter ton score ESG, tu es incité à promouvoir activement ces idéologies, sous peine de te faire... Alors, quand vous voyez le cirque annuel des changements de photos de profil sur les réseaux sociaux pour la Pride Day, sachez que c'est uniquement pour booster leur score ESG et gratter des subventions et des investisseurs. Et là, je vois déjà certains wokistes en sueur quand ils vont s'apercevoir que leur combat a été créé de toutes pièces et financé par un gros Allemand blanc en sandalette. Faut avoir peur. On peut aussi parler du financement des FMN ou des campagnes migratoires qui sont régulièrement arrosées par des gars comme Soros et qui comptent parmi ses faits d'armes le fait d'avoir dépouillé la Banque d'Angleterre en la shortant comme un vulgaire shitcoin. Mais pas de panique, certains médias nous disent que c'est un philanthrope. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bruno Le Salé qui vous parlera de tout ça plus en détail. Je précise que quand je parle des différents mouvements qui trouvent leurs origines dans le forum, il faut savoir qu'ils n'ont pas été créés par celui-ci mais réajustés pour correspondre à leur agenda. En réunissant les hommes les plus puissants du monde, en un même lieu et sous des intérêts communs, le forum de Davos devient une plateforme d'échange entre élites avec une puissance démesurée et sans précédent. D'autant plus quand on voit la manière dont ces meetings sont agencés, avec des notions comme l'esprit de camaraderie qui y règne, ainsi que ce qu'on appelle les Iguels, qui sont des réunions secrètes entre dirigeants, banques, PDG et grosses entreprises. C'est quand même curieux que des banquiers et hommes d'affaires tiennent à ce que ces réunions se fassent à l'abri des regards. Bien évidemment, il n'y a jamais eu d'histoire de corruption liée aux Iguels. Non, jamais, non,
Jamais, vraiment pas. Donc, vous l'aurez compris, ce forum permet de court-circuiter toutes les institutions en place. Maintenant, est-ce que tu comprends que ton bulletin, tu peux te le foutre au cul? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'histoire moderne sans parler de Klaus Schwab et de ses meetings annuels de Davos. Oui, monsieur, ils ont eu un impact sur différents événements historiques, comme la réconciliation de certains pays, pour apaiser les tensions entre dirigeants pour permettre une meilleure coopération internationale et une meilleure exécution des ambitions du UEF grâce au coup de fil de Papa Schwab. Ils ont également influencé des prises de décisions politiques importantes, comme lors du financement de la deuxième campagne de Yeltsin en 1996 via le fameux Davos Pact. Yeltsin qui, je le rappelle, a permis à des oligarques russes ainsi qu'aux investisseurs américains et européens de dépouiller la Russie tout en causant au passage 3,2 millions de morts selon une estimation de l'UNICEF. C'est sans doute pour améliorer l'état du monde. Il ne faut pas avoir peur. En plus d'être à l'origine de tous les concepts que j'ai énoncés précédemment, ils sont aussi le moteur de la propagation des idéologies wokistes et toutes les dérives qui en découlent, en faisant en sorte que ces idées soient directement connectées aux politiciens et PDG présents lors des différents meeting du forum, ce qui leur a permis d'être en partenariat avec de grosses multinationales comme Facebook, Pfizer, Airbnb, Airbus, Google et j'en passe. Dans son livre Room 19, The Great Reset, Klaus soutient directement tous ces nouveaux mouvements comme il le dit si bien. L'activisme des jeunes augmente dans le monde entier, révolutionné par les médias sociaux qui augmentent la mobilisation à un point qui aurait été impossible auparavant. Il prend de nombreuses formes différentes et aborde des questions aussi diverses que le changement climatique, les réformes économiques, l'égalité des sexes, et les droits LGBTQ. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne fait guère de doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'élan critique pour le grand reset. We need a great reset. Normalement, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, sans faire de jeu de mots. Alors, j'espère que vous êtes prêts à vous faire réinitialiser. Quand on se penche un peu sur les partenaires du UEF, peut-on réellement se fier à Coca-Cola pour prendre des décisions concernant notre santé? À Nestlé pour sauver la planète alors qu'ils ont pissé dans une rivière? J'ai pissé dans l'aquarium. Mais tous les poissons sont crevés. Le ptio, quand il s'est levé le lendemain matin, il pleurait parce que les poissons étaient crevés. À Zuckerberg pour être un des leaders de la 4ème révolution industrielle et du transhumanisme, alors qu'il a loué son âme en Airbnb à Belzébuth. Il ne faut pas avoir peur. Parlons maintenant du tant attendu Great Reset, dont Combini a fait allègrement l'éloge. Le complotisme est quand même très marqué à droite. Ce qui devrait vous mettre une deuxième puce à l'oreille, la théorie veut que tout ce que ce média poubelle promeut soit cancérigène. Le projet, reconstruire l'économie mondiale de manière durable, en mettant en pratique son idéologie du Global Corporate Citizenship, qui consiste en une coopération de tous les habitants du monde pour répondre aux différents enjeux économiques, climatiques et sociaux. Jusqu'à là, rien d'alarmant. Mais pour arriver à cette finalité, il sera nécessaire de passer par ce qu'ils appellent la 4ème révolution industrielle, qui n'est autre que la mise en place du transhumanisme. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Au sein même de la vie quotidienne et avec tous les concepts qui en découle. Au final, le plan consiste à instaurer un monde dominé par les big tech. When I was 21, I finally realized that I was gay. Now imagine the situation when an algorithm can tell any teenager where he or she is on the gay straight spectrum. Starfullah. N'oubliez pas que ces mecs se réunissent sur des montagnes magiques pour discuter de votre bien-être. Je trouve ça pour le moins bizarre. D'ailleurs, certains golems vous diront, et c'est déjà le cas en plus, « Moi, ça me dérange pas de me faire surveiller, j'ai rien à me reprocher. » Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. J'espère sincèrement qu'ils offriront leur fœtus à Moloch et que le cuistot Klaus leur fournira des steaks de moustiques sans gluten. Ce qui nous amène au fameux « Tu ne posséderas rien ». Et tu seras heureux. Cette citation vient d'ailleurs directement des 8 prédictions pour 2030 postées par le UEF, et au vu de ce qu'il se passe aujourd'hui, on tend clairement vers ce progrès. En gros, l'idée de se passer du concept de possession pour le remplacer par de la location. Un processus entièrement régi par un système où le citoyen lambda dépend à 100% de l'état-providence dans chacune de ses actions. Le consommateur ultime en quelque sorte. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Cette transition entre possession et location passe par l'appauvrissement des gens, les crises économiques, dédicace à BlackRock, la suppression progressive de la classe moyenne, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, le rachat en masse de maisons, terres et biens matériels, par les banques et la big tech, en payant 20 à 30% plus cher que le prix du marché, pour monopoliser la propriété et renforcer encore plus l'inflation. Il faut avoir peur ! On arrive à un cercle vicieux où tu ne peux plus rien acquérir, et tu es contraint de devenir locataire pour tout. Ce n'est pas du complot, mais tout simplement du business. Le complotisme...
Beaucoup d'entre vous me diront qu'ils ne se laisseront pas faire, que ça n'arrivera jamais, et que ceci et cela. Très bien. Combien d'entre vous avaient ne serait-ce que connaissance du score ESG des entreprises ? Combien d'entre vous ont été contraints d'accepter la politique du rhume, sous menace de licenciement, et j'en passe ? Rhume qui a d'ailleurs subitement disparu. T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Bah où t'es ? Où c'est que t'es pas là ? Je vous donne rendez-vous dans quelques années pour voir ce qu'en dit l'esprit de Davos. Enfin, si d'ici là vous n'avez pas été transformé en moustique. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai essayé de synthétiser au maximum parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement long et complexe. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis toutes les sources en description et je parle de sources officielles. Hein. Pas de vidéo en 144p avec Requiem for a Dream en fond. Donc, si après cette vidéo, on coupe les freins de ma voiture, les accidents de circulation, je vous donne rendez-vous sur le nuage, mais pas celui que vous pensez. Oui, c'est qui ? C'est votre commande Uber, monsieur. Mais je n'ai rien commandé. Un vidéaste a été retrouvé mort chez lui, suicidé de 3 balles dans le dos. Pourtant, ses proches affirment qu'il était heureux. Il sortait les voisins et disait bonjour aux poubelles. Circulez, dossier suivant. We need a great reset. We need reset. 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 We need reset. Reset. Great, great reset. Reset. Je ne veux pas avoir peur.